Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne des leaders Go221 à la une des journaux de ce vendredi 24 mai 2024. Wealth quotidien, immixtion dans la vie politique nationale. Macky rappelé à l'ordre par la France et le Maroc. Oui, le président Macky Sall rappelé à l'ordre par la France et le Maroc. Sacré à la Youth League 2024, Serine Bakayoko, nouveau phénomène du karaté. Oui, il est le nouveau phénomène du karaté. Serine Bakayoko, à titre le journal Wealth quotidien. La société civile dénonce le silence intrigant du pouvoir. Le journal L'Enquête qui nous parle de relations entre le maire de Dakar et le chef de l'État. Le temps de l'observation. Oui, le temps de l'observation entre le président Bassirou Diomaye Faye et le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Le temps de l'observation. Sud quotidien. Dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice vers le dépôt du système. Oui, vers le dépôt du système. Dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. La plateforme Le Soleil Agropole, Ziguinchor, Kolda, Seydou, les travaux exécutés à 55%. Oui, les travaux exécutés à 55%. La longue marche ouverte, l'émergence. Le journal Le Quotidien, diplomatie, voyage présidentiel, Diomaye garde le cap après Prane. Aujourd'hui, le président attendu à Conakry, Domé, il va effectuer 3 voyages en France entre juin et novembre. Oui, le président Bassirou Diomaye Faye qui doit effectuer 3 voyages en France entre juin et novembre. Le journal L'Observateur, la tension sur la Tabaski, oignons et pommes de terre, la dure réalité du marché. Perspective politique, le jeu obscur du PDS. Oui, le jeu obscur du PDS. Ce parti est écarté entre le réalisme politique et l'opportunisme politique. Le journal Temps, Moi et Quotidien, Guéguerre, APR, Pastef, la mère des batailles à l'Assemblée nationale. Oui, la mère des batailles à l'Assemblée nationale entre Pastef et sa Giskis Sadorline, une plateforme lancée pour les usagers à la justice à l'épreuve du Banti. Le journal Bespi, le jour, porteur et Hussein Ouli, ministre porte-parole de la présidence City Jeune. Le jour, il a répondu à l'appel aux patriotes en 2018. Ma nomination est un appel à venir dans l'humilité. Sur soi, qui nous parle d'entretien exclusif du ministère de l'économie sociale solidaire, le docteur Aliou John, accordé à Source A.SNTV, Macky et compagnie, boussez vos oreilles. Le journal Yor, qui nous parle de rapport court des comptes 2015-2020, problématique de la gratuité de l'eau à Touba. La consommation annuelle de l'administration sénégalaise en eau estimée à plus de 20 milliards de francs CFA. Oui, la consommation annuelle de l'administration sénégalaise en eau estimée à plus de 20 milliards de francs CFA à Touba. Réumi quotidien, réforme de la justice, les premiers jalons posés mardi à prochain, attendu en Guinée. Ce vendredi, Diomaye réchauffe l'axe Dakar-Conakry. Oui, le président Bassirou Diomaye Faye réchauffe l'axe Dakar-Conakry. Le journal, oui, l'axe quotidien rappelle des diplomates discourtoises, demandes hasardeuses. Yacine Fall inquiète aux affaires étrangères, oui. Yacine Fall qui inquiète aux affaires étrangères. Le journal La Tribune qui nous parle du prix de l'électricité. La hausse du prix Wayafal est bien effective. Oui, la hausse du prix Wayafal est bien effective. L'IGE manque à l'appel. Birahim Seck interpelle le gouvernement. Oui, l'IGE qui manque à l'appel. Birahim Seck interpelle le gouvernement. Le journal Dakar Press qui nous parle axe Paris-Dakar. La distance se réduit de plus en plus. Oui, la distance se réduit de plus en plus. Axe Paris-Dakar. Bassirou Diomaye Faye annonce des réformes dans le secteur de la justice. Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye qui annonce cela. Le Dakarois lancement de la plateforme Djoubanti. Diomaye promet aux Sénégalais une impartialité de la justice. Oui, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Le journal Vox Populi. Monsieur le ministre, vous devez trop d'argent au secteur privé. Les cadres de la PAYEC vitriolent le pouvoir en place. Le gouvernement met sur pied la plateforme Djoubanti.
Djoubanti, exploitation du pétrole et du gaz, contenu local, BTP, le journal critique qui nous parle de réforme et modernisation de la justice, coup de bistouri sur un malade agonisant. Les cadres de la PR interpellent le président Bassirou Diomaye Faye. Le journal Direct News qui nous parle de quand Guirassy démolit le système qu'il pilote, stupéfiante confession de victime. Oui, stupéfiante confession de victime quand Guirassy démolit le système. Le journal Peuple Quotidien, baisse des prix de denrées au 15 mai. Un premier rendez-vous, vous manquez. Le mea culpa du président de l'association des hémodialysés. Nous parlons du journal Peuple Quotidien. Notre journal, 2 minutes pour l'essentiel exactement, c'est ça. Diomaye proche de ses sous, le ministère, juste CDC, Apix, Sport, le NAS, les domaines aux pastificiens à coût à qui, oui, effectivement, le trésor, la douane, 24 heures qu'une palle de justice, une valeur à restaurer, une girouette qui tourne au gré du vent européen français, 24 heures, oui, une girouette qui tourne au gré du vent européen français. Le journal Point Actu, toujours pas récompensé. Amadou Ba, Do Pastef, Aïb Dafé, toujours pas récompensé. Après ce nouveau gouvernement, l'association des hémodialysés s'excuse auprès de Serine Boup. Le public qui nous parle de Badjarate, les cadres républicains déclarent la guerre à Sonko. Oui, les cadres républicains déclarent la guerre à Ousmane Sonko. L'affaire Badjarate. Le Sénégal éliminé en demi-finale pour la Guinée. Le quotidien qui nous parle baisse des cours mondiaux. L'engrais pouvait coûter moins cher aux paysans. La plateforme Djoubanti lancée, dialogue national sur la réforme de la justice. Oui, la plateforme Djoubanti lancée. Le journal La Libération qui nous parle d'affaires de l'enseignant assassiné à Thiès. Les révélations de l'enquête. Oui, l'enquête nous propose les révélations dans La Libération. Troisième retour de parquet pour Abdoulaye Seck et compagnie. Trafic présumé. L'info qui nous parle d'affaires Badjarate et Imam Daou, retour de bâton pour le nouveau régime. Oui, retour de bâton pour le nouveau régime. Oui, le journal Évidence qui nous parle d'Abdou Khafour. Salut Abdou Khafour, salut Keita Ndaï Tiké Ndiaye. Ministère des Affaires étrangères sort de la diplomatie. Maladresse, cafouillage au sommet. Oui, maladresse, cafouillage au sommet. Le journal L'Éveil qui nous parle de baisse du prix de l'engrais. Satisfaction des agriculteurs. Oui, satisfaction des agriculteurs. Baisse du prix de l'engrais. L'Éveil qui nous parle de cela. Le journal Le Monde. Oui, exactement, c'est le mandat économie sénégalaise. De quoi sommes-nous maîtres? Oui, le Sénégal, de quoi sommes-nous maîtres dans ce pays? Le président du mouvement des dialysés crève à l'abcès. Le journal Les Échos, oui, Les Échos, Les Échos, les cadres de la PR appellent à libérer Diomaye et l'emprise de Sonko. Abbas Fall, la sainte sévérité avertit les ministères, dissolution de l'Assemblée nationale, relations députés, gouvernement. Oui, Abbas Fall qui a sainte sévérité dans Les Échos. Le journal Record qui nous parle de Al-Abli Kair, Rabat final avant l'heure. Si c'est face à la forme du moment, oui, Al-Sissé face à la forme du moment mondial 2026, liste des lions. Le journal Istat qui nous parle contraire de c'est la Mauritanie, l'équation de l'attaque pour Aliou Cissé. Oui, il y a une équation de l'attaque pour le sélectionneur national Aliou Cissé, titre. Le journal Istat, le journal Sounou Lambe, effectivement, qui nous parle de Grid Lacrosse, Pape Ndoye au front face Ndakarou sur le pied de guerre. Je vais battre Grid de gré ou de force. Go 221.